vous connaissez la réverb? C'est le fait que ça résonne, par exemple, dans ma pièce, juste ici. Et lorsqu'on écoute ça en vidéo, c'est extrêmement chiant, non? Le seul moyen de contrer ça est peut-être de parler un petit peu plus doucement dans le micro. Et encore, je ne suis pas sûr que ça aide. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo unboxing test. C'est pour éviter ce phénomène de réverb. Je ne sais pas si ça va marcher, je vais le tester en live. Pas vraiment live parce que c'est enregistré, ça sera monté et tout. Mais je vais le tester là, directement sous vos yeux. C'est ce qu'on appelle, je crois, un bouclier acoustique. On va déballer ça tout de suite. Et je l'ai reçu fraîchement ce matin, vous voyez là, bim! Du coup, j'ai mon petit couteau et puis on va ouvrir ça. Alors, vous n'allez rien voir de ce déballage. Ça va pas être ce qu'il y a de plus passionnant, hein. C'est juste un bouclier acoustique, c'est pas un périph gamer, calmez-vous. Donc, c'est un produit de la marque Neuer. C'est ça, Neuer, ça se dit Neuer. On va dire Neuer. Ils font plein de produits à bas prix pour plein de choses différentes. Du coup, là, c'est un bouclier acoustique qui est juste. Oh, c'est gros la vache! Hop, juste ici avec. Du carton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça qui va servir à maintenir le micro parce qu'il y a un pied fourni, je crois. Il n'y a plus rien dedans. Donc, j'espère que le pied est au milieu parce que sinon je vais douiller là. Ok, j'ai un doute là. Bon, on va voir. Je vais devoir acheter un pied. Super, bravo. Hein? Sur les photos, j'ai l'impression que c'était fourni avec. Super. Voilà ce que c'est le bouclier acoustique. C'est une grosse cage en fait où on va mettre le micro ici et c'est censé, ces mousses là, absorber le son et éviter de le renvoyer. C'est qu'à cause du renvoi du son par les murs ou toute autre surface dure qui provoque ce phénomène de réverb. Donc pour les atténuer, il faut des surfaces assez molles comme du matelas, des oreillers, des vêtements ou des mousses comme ceci. Je sais pas comment je vais me démerder. Qu'il y aura un pied, je sais même pas quel pied il faut. Je crois que je vais devoir bricoler un peu. Je vais peut-être reprendre la notice. J'ai pas envie de jouer les ingénieurs, je sais pas comment ça se met. Ah, attendez, je crois que j'ai trouvé. Ah, attendez, j'ai peut-être une solution. Ouais. Je crois que je vais mettre la vidéo en pause et puis bah, je vais vous reprendre après parce que. Bon, après quelques minutes de galère, j'ai enfin pu installer mon truc. Bon, c'est un peu en mode galérien. Hein. J'ai utilisé le pied basique du micro Rode pour l'installer. Alors, il est devant moi. Je l'ai, le bouclier, je l'ai totalement ouvert. Je vais vous montrer quelques images, enfin quelques petites vidéos de comment j'ai fait pour installer tout ça et vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bouclier. J'ai essayé de le mettre sur mon pied micro qui est juste là, mais en fait... le micro plus le bouclier, bah c'est trop lourd. Le pied fait descendre tout seul. Donc j'ai pas pu me mettre dessus. Il va falloir que j'essaye de me fournir peut-être un pied, je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau qualité. Moi j'ai testé avant et après et je suis quand même un peu déçu. Il y a une légère amélioration certes, mais je m'attendais quand même à mieux. Malheureusement, bon, ce sera pas encore sans réverb. Il va falloir que je trouve d'autres astuces. Super. En tout cas, ça apporte une aide, ça c'est clair. Mais attendez à mieux quoi. Surtout pour le prix, on le trouve entre 40 et 50 euros sur Amazon. Je vous mettrai le lien du produit exact que j'ai commandé sur Amazon dans la description, juste en dessous là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Est-ce que je recommande ou non? Je sais pas. Le problème, c'est que je suis dans une pièce qui a énormément de réverb. Et déjà, j'ai très peu de décor. Donc forcément, la réverb est assez présente. Et en plus, sur mon mur, j'ai absolument rien. Donc je pourrais mettre quand même un peu de déco. Ou je ne sais pas trop quoi. Bah, comme un matelas, par exemple. Ça pourrait énormément atténuer le son. Enfin, le son, la réverb surtout. Et ça pourrait, n'empêche, grandement aider. Je ne sais pas si je vais garder le produit ou non. Parce que franchement, je m'attendais quand même vraiment à mieux. Alors les notes étaient bonnes pourtant sur ce produit. Mais... Non. Alors après, il se peut que je ne sache pas utiliser le produit correctement. Hein. Je ne suis pas un expert son, je ne suis pas un ingénieur son, donc il se peut que mon installation soit vraiment bancale, quoi. Je suis mitigé sur le produit, malheureusement. C'est dommage. Je m'attendais vraiment à une grosse réduction de la réverb. Et malheureusement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Légèrement, mais ouais. Il y a moyen de faire mieux quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce produit. Si vous
vous sentez une différence ou non. Je serais très intéressé de le savoir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre tout un tas de commentaires, des likes et tout ça, etc. À partager la vidéo, même la chaîne, je vous en serai énormément reconnaissant. Et surtout, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Faut que j'arrête les outros trop longues, moi. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner au niveau des réseaux sociaux. J'essaie de poster de plus en plus de choses. Donc voilà. Sur ce, je vais pas m'étayer plus longtemps. Je vous dis ciao tout le monde. Bye bye! Je m'attendais à mieux, bordel.